Hey tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo carrière pro les gars. On se retrouve avec la carrière pro aujourd'hui. Ça m'a été demandé, donc voilà, je vais le faire maintenant. Là il y a le Bayern de Munich, on est au Real de Madrid. Real de Madrid les gars, on a la carrière manager. Mais bon, deux choses à part, là, moi, je vais face à Almeria, face à Levante, face au Real Betis, peut-être face au Celtic, on verra. Donc c'est parti, jour de match face à Almeria. On espère un gros gros match de la part de notre équipe, Havertz, Valverde. Après, l'équipe elle est pas ouf, hein. Elle est vraiment pas folle. Donc bon, hein. On espère gagner quand même la Serie A. Non, la Liga BBVA, la Liga eSport, pardon, on va y arriver au bout de trois fois. Donc c'est parti, sous les ordres d'Ancelotti. Let's go les gars, numéro 23 dans le dos. On est là et on est prêt pour ce match face à Almeria. Bien joué Arnold. Et ouais les gars, moi je suis pas Mbappé, hein. Moi je m'adapte directement au Real de Madrid. Et on va faire une très 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 bonne saison ici. Y'a faute, y'a faute. Il a pas sifflé, monsieur l'arbitre. Ok, Lewis qui reste planté. Bellingham, glisse là. Bon, il a mis du temps à la glisser quand même. Après j'ai essayé de tirer, j'ai cru que j'étais hors jeu. Je tirais un peu doucement et vas-y, première bonne action. Bah oui, magnifique, cet écartement pour Alexander Arnold. On sait qu'il a une grande qualité de centre, mais il tricote avec la balle, on ne sait pas ce qu'il fait. Oh là là, mon contrôle. Ouais, je centre parfait. Et je sais pas si c'est Luis Suarez, son prénom Luis, mais Suarez qui marque de la tête. Un but à zéro dans ce match. Pour Almeria les gars, on est premier de la Liga, hein, faut pas oublier. Donc allez, faut quand même se réveiller, montrer un autre visage là, parce qu'Almeria ils sont en train de nous bouffer. Sans vous mentir, là il va décaler. Non, ça va, il a pas décalé en bas, il a joué radin. Mais bon, ils ont toujours la balle, ils sont toujours dans notre camp. Et je vois que ça gêne personne dans mon équipe. Donc voilà. Hein. Heureusement, ils savent pas tirer, les gars. Hein, parce que là, Almeria, ils allaient en mettre un deuxième juste avant la mi-temps. Toujours mené un but à zéro. C'est quoi cette tête là? Je mets une tête sur moi-même. Alexander Arnold. Bon, oh, monsieur, la passe, elle était parfaite pour une fois. Purée. Bon, deuxième mi-temps. C'est parti, les gars. On espère hein, se réveiller. Marquer au moins un but. Deux serait vraiment exceptionnel. Immobilier. Ben oui. Ben oui, on élimine. Boum! On y arrive, les gars. Let's go! On arrive quand même à marquer. C'est au Santiago Bernabéu. Même si on a été pris en sandwich, on nous a taclé derrière. Je pense qu'il n'y a pas but, il y a penalty. Parce que vu comment il m'a fauché, les gars. Non, c'est faute. C'est faute directement. Là, paf! On arrive à mettre le pointu avant le tacle. Et après, derrière, on se prend le tacle. Donc, ouais, vraiment rien à dire. Bien joué, Anthony Thomas, donc moi-même. Un partout face à Almeria, les gars. C'est magnifique. Allez, maintenant, on va aller chercher la victoire. Et il y a Vini qui est rentré en plus. Mon poteau sûr do Brasil. Donc, c'est parti, les gars. Let's go. Oh oui. Oh oui. Oh oui, l'intervention. Enfin, l'interception plutôt. Tiens, Vini. Non, contrôle mon gars, même si la reprise pied gauche, on peut rien dire dessus, elle était magnifique. Valverde, par-dessus. Mon gars, t'es une galère, t'es une galère, fallait la mettre plus tôt. Valverde, par-dessus. Oui, boum, let's go, le doublé les gars, mais oui, mon joueur, il est né pour ça, il est né pour ça, les beaux buts et faire vibrer le stade, let's go. Mais oui! Incroyable, là. Valverde, là il a bien mis par-dessus. Dans ma course, dans le dos du défenseur, il a rien compris le défenseur. 2 buts à 1. Ouh, 61e minute de jeu, magnifique. Il reste 18 minutes, on va les faire ensemble. C'est parti. Ça peut être sympa, bien joué. Purée. C'est fait avoir là par le défenseur. Les gars, 77e minute de jeu. Je suis prêt à tout pour mon équipe. Je suis prêt à défendre. Je suis même prêt à aller au goal, arrêter la balle. Hein. Donc
Voilà, comme ça vous savez tout ce que je suis prêt à faire. Et là, malheureusement, je suis pas à la retombée, ni Vinicius. Mais ça passe. Oh là là. Ouais, je suis lent. Wesh. Et vous J'étais voyez, lent de nous voici ouf. bientôt tous ensemble, ça sera Ah, c'est impossible dommage parce d'arriver que à là, temps il y avait pour la une passe. très bonne occasion. J'ai Oh, hâte de ça voir revient. ça, une rencontre Oh, ça très revient. intéressante de la CIE. On lâche. Mais non, j'ai lâché au dernier moment avant de perdre la balle. J'avoue, Voilà, j'ai gardé aux beaucoup la 5 balle. dernières Mais minutes. bon, j'avais lâché, hein. J'avais lâché, les gars. Je vous promets. Diego Rico. Allez. Purée, on ne l'a pas eu. Allez, Vini, une dernière action. Oh, il me la met mal, il pouvait mieux la mettre, c'est dommage. Bon, 91e minute de jeu. Normalement, l'arbitre, voilà, il siffle la fin du C'est match. fini, l'arbitre Victoire de siffle. Bizan, on a su renverser Almeria. Je peux le dire grâce à moi. Hein, un bon doublé. Homme du match en plus, c'est parfait. Voilà, donc tout est. Pardon, tout est ok. Grosse performance. Bah ouais, tu m'étonnes. On va se donner une tape dans le dos. Après, contrat actuel, nanana, c'est toujours bien. Titulaire, ok, tu recadres, ok. Ah oui, il faut mettre des triplés pour signer au Bayern, ok. Bon, on verra ça plus tard. Tac, entraînement. Et match face à Levante juste derrière. Donc, hop, on va faire ça. 4 points de compétence, c'est magnifique. On va aller les mettre directement. Rectifie le tir? Comment ça, rectifie le tir? Je suis suspendu, hein? Non, je suis pas suspendu, j'espère pas. Hein. Conduite de balle, let's go. Ah là, j'ai plus de points de compétence. Là, j'ai tout mis, ok. Tac, tac, tac. Ouais, rectifie le tir le 23 juillet, jour des matchs. Ouais, non, je peux jouer, c'est bon. Par contre, je suis un peu fatigué, les gars, on va jouer qu'une mi-temps. Donc, on jouera 4 matchs dans cet épisode. C'est parti à l'event, les gars. Let's go! Wesh, monsieur! Grosse faute, carton rouge directement là. Let's go! Allez! On est à hauteur d'un carton rouge magnifique. Quoi? C'est moi qui tire les coups francs? Merde, je vois pas la barre à cause de ma tête, mais je pense que j'ai bien. Oh non, 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 wesh! Qui suis-je? Le coup franc, poteau rentrant, directement, c'est nous! C'est nous le meilleur joueur de la planète, c'est nous les gars, j'espère que j'aurai le ballon d'or là dans pas très longtemps. Wesh! Non! On obtient le coup franc, carton rouge, et derrière on met le coup franc en plus! Non les gars, wesh! Y a pas mieux! Y a pas mieux, il est trop bien tiré en plus! Il est trop bien tiré! Wouah, la dinguerie qu'on vient de faire! C'est magnifique! C'est parfait! Merci! Oh, derrière, par contre, là, on rate le contrôle! Dommage! Bien joué! Bien joué! Bien joué avec Immobilier, Havertz! Est-ce qu'il va changer de côté? Bon, il garde le ballon, il attend peut-être une solution! Bien joué, Lewis! Purée, mince! Militao, plus fort! C'est quoi ça? C'est nul! Allez, on va faire les 12 dernières minutes ensemble de la première mi-temps ensemble. Rafa? Ok, bien joué. Bien joué. Bien joué! Ça commence à devenir compliqué. J'avais plus trop d'endurance, je pense. Bien joué, Valverde, c'est gagné. Non, pas du tout. C'est pas du tout gagné. Et les gars, du coup, si on reste à 1-0 là. Oh, Lewis qui s'est blessé. On espère que ça soit pas trop grave. Wesh! Les gars! Oh purée, je suis blessé. Je crois que j'ai trop couru, les gars. En fait, ça date tellement que j'ai pas fait la carrière manager. Depuis le début que je joue là, j'arrête pas de courir à fond. Je laisse pas mon pro se reposer. Et même en club pro et tout, quand je joue qu'avec un pro comme ça, je fais que courir, que courir, que courir. On va demander le remplacement. Je sais pas si c'était grave ou pas. En tout cas, on a fait un partout malheureusement. Du coup, un vieux match nul comme ça là. Je sais pas si ça va nous inquiéter. En tout cas, on n'est pas blessé, donc ça va. Et au niveau du classement, deux points d'avance. Deux points d'avance sur Séville qui là sont passés premiers. Si on gagne, on reprend deux points d'avance.
Donc, vous savez ce qu'il nous reste à faire, les joueurs du Real de Madrid, il faut gagner, tout simplement. Vous êtes le joueur du mois, magnifique. Je peux encore faire mieux, devenir ambassadeur de Beats, bah directement les gars, comme ça on a un casque gratos. Prix, tac 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 tac. Qu'est-ce que j'ai pas acheté là? Wesh, j'ai acheté beaucoup de trucs, hein. Les gars, c'est trop. On va s'acheter un jet privé. Je vais économiser jusqu'à 20 millions d'euros. C'est une dinguerie. On va investir dans l'énergie. Ouais, non, on peut pas. Résidence. Ouais, non, non, non. On va attendre, on va attendre. Let's go. On joue face au Real Betis. C'est parti. Lucas Modric, il est encore là. Purée, l'ancien. C'est parti, les gars. Let's go. Allez. Une victoire. Comme ça, on repasse premier. Et voilà. Wesh, mais les gars, non, c'est abusé là. Mon pro, il est trop fragile. Dès le premier appel. Dès le premier appel, les gars, il se tient la jambe comme ça. Il est fatigué. Pourtant, j'avais encore de l'énergie là. C'est bon, ok, on est de retour. Tiens ça, toi. Même blessé, on est trop fort. Même blessé. Dommage. Oh la passe. Oh là là, la passe de Valverde, elle était magnifique. Bien joué, Militao. Purée, je fais que de tirer. Non, 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 là j'aurais pu mieux faire peut-être. Mais en tout cas, si la passe de Valverde, elle atterrit sur ma jambe là. Paf! Il va pas la chercher, le gardien. Il va pas la chercher, les gars, je vous le dis, moi. Et ça va, c'est des petites blessures. Je sais pas pourquoi. Mais des petites crampes, peut-être. J'en sais rien. Même Lewis, en vrai, il y avait marqué qu'il était blessé, mais là, il est là. Peut-être les retombées de Pintus, hein, les gars. On sait pas. Peut-être la prépa physique, elle était trop hard et là, je sais pas. Merde, hein. Mais lui, bien joué, c'est trop long. Derrière, il aurait pu me la mettre. Il aurait pu me la mettre comme ça, purée. Bien joué, Bartra. Très très bonne récup. Mais les gars, ça va dans tous les sens. Frappe premier poteau. Oh, ça arrive dans la lucarne. Belle parade de Rui Silva qui était attentif. Allez, c'est parti. Centre. C'est quoi ce centre nul là? Pourquoi ils disent que je suis blessé? Je suis plus blessé. C'était il y a 20 minutes que j'étais blessé, les gars. Allez, avant la mi-temps, ça serait bien d'en mettre un. Mais Lewis, qu'est-ce que tu fais? Mais là, va le garder. Mais là, il est hors jeu, non? Non? Boum! Boum! Mais oui, je suis immobilé! Mets ton pied, gros! Modric? Bon, je suis tenté la frappe de loin, je vais dite frapper, mais. Pas ouf, 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 ouf. En plus, il aurait pu se mettre sur son pied droit, il abuse. Allez. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Et derrière, ce que je fais, c'est nul aussi. Mais bon, l'arbitre, il a sifflé, donc je ne me prendrai pas de carton rouge ni de carton jaune. Les gars, faut pas oublier qu'il faut gagner absolument. Match nul. On est premier égalité avec Séville. Mais si on gagne, on repasse premier avec 2 points d'avance. C'est quand même mieux d'être premier. Donc il faut absolument marquer là dans cette deuxième mi-temps. Encore une crampe! Non, il abuse! Wesh, mon gars, allez là! Allez! Allez, mon gars! Tu peux! Tu peux! Voilà! Même blessé, je vous ai dit, on sera trop fort. Désolé si je te fais trop courir. Bien joué! Non, j'aurais peut-être dû la glisser immobilier. Non, j'ai fait mon Mbappé. J'ai fait mon Mbappé un peu. J'ai déjà tiré 6 fois. Tiens, 7 fois. Et là, c'est n'importe quoi là. Retournez, purée. Largement au-dessus. Allez, les gars, allez, allez, allez. Ça va le faire. Bien joué. Tiens. Les gars, je sais pas pourquoi j'ai la petite croix qui est revenue. Alors que ça m'a pas arrêté. Purée, frappe contrée là, il reste 20 minutes. Faut qu'on fasse une différence, les gars. On va rester ensemble jusqu'à la fin du match. Et je sais pas pourquoi la petite croix elle part pas. Pourtant, elle était partie. Mais elle est revenue. Donc, je sais pas si là je suis blessé. Mais en tout cas, même blessé, les gars, on jouera. Même blessé, on jouera. Boum! Purée, le goal il est chaud. Hein. Le goal il est chaud. Après là, ma frappe elle est un peu nulle. On peut le dire. Purée, faut y aller les gars, faut y aller. Faut y aller. Bien joué, là on a la balle. Ok. Il y en a un qui est blessé là. Wesh, je voulais une petite faute, trop coup franc, comme ça je retire et je marque. Sûrement.
Allez mon gars! Ouais, j'abuse, on était à deux contre lui! Les gars, ouais, il reste plus que 7 minutes! On va faire match nul! Flemme, flemme, flemme! J'ai pas envie d'être premier égalité avec Séville! Je vais être premier tout court! Manu Koné qui joue au Betis Séville! Très très bon coup de la part du Betis Séville! Purée, il reste 2 minutes et on n'a pas la balle! Il reste 2 minutes, on n'a pas la balle, et en plus de ça, il y a le Real Betis qui arrive. Non, non, non. Bien joué, ok. Bon, j'ai toujours la blessure en plus, je sais pas si là je suis blessé, pas blessé. On verra bien. En tout cas, match nul. Match nul dans les deux sens. Hein, nul et nul, donc voilà. On est suspendu pour le prochain match. Donc, bah écoutez. Oh, il y a le classico après. Repos forcé, 4 semaines et... Mais non, mon gars, oui. Il y avait le classico, là. Il y avait le classico. Qu'est-ce qui me parle de blessure? Qu'est-ce qui me parle de blessure? 4 semaines en plus. Les gars... Oh là 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 là, ben ouais, je peux pas m'entraîner. Je peux m'entraîner. Je peux m'entraîner même si je suis blessé. Bon, bah écoutez, si on peut s'entraîner même si on est blessé, on va pas cracher dessus. Hein. Comme ça, nous, notre pro, il va s'améliorer. C'est où? Pierre, je sais plus c'était quoi. Moi, en plus, c'est à ma tête là. Ouais, c'était ça. Hop, bah écoutez, voilà, jour de match, bah du coup, simulation, ouais. Rodrigo, il est encore là, il est en pointe, il a marqué en plus. C'est dommage qu'ils font pas un 4-3-3 là dans FIFA. Moi en pointe, Vini à gauche, Rodrigo à droite, Valverde derrière avec Bellingham. Et je sais pas, il reste qui. Ça a été monstrueux. Oh, on est appelé en équipe de France, les gars, 17 octobre, 21 octobre. Pour la Ghana et l'Irlande. Mais attendez, je suis blessé. Apte à jouer dans 21 jours. Mais ouais, ils m'ont convoqué, mais je peux même pas jouer. Mais non, mais Didier, qu'est-ce que tu fais? Didier Deschamps, c'est quoi ça? Mais non, ils abusent, ouais. En plus, là, on peut même pas s'entraîner. Vas-y, passez et jouez. De toute façon, ça va rien faire. Simuler match, défaite 3-2. Gonzalo Ramos et Rashford qui jouent là-bas. C'est quoi ça? Mais non. Purée, 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 purée. Apte à jouer dans 20 jours, 18, 17. Didier, il m'appelle, je suis blessé. Pourquoi il m'appelle? Ça fout trop la rage. Barcola en pointe, Lorient à gauche, Olise à droite. Wesh, l'attaque, elle a un peu du flow quand même. Hein. Bon, il manque quand même un Mbappé ou quoi, mais... Ou un Anthony Thomas, hein, voilà. Victoire 3-1 face au Ghana, magnifique. Le Maroc qui perd face à l'Irlande, ok. Ouais, c'est un peu chiant, là, la blessure. Plus numéro 9 dans le dos en équipe de France. Pff, truc de ouf. Manu Koné, il est là, Kipembe, Koundé, Boy. Ouais, une bonne équipe en vrai. Hein. Juste en attaque, il manque des gens, j'ai l'impression. Barcola qui remarque, Olise qui marque deux buts, doublé pour lui. Il est trop fort et avec le Bayern, je pense qu'il va exploser cette saison. Apte à jouer dans 9 jours. 7 jours maintenant. Allez, c'est parti, on est deuxième de la Liga. Pff, on fait que de perdre. Le Barça qui gagne, les gars. Apte à jouer dans 4 jours. 4 jours, 4 jours, 4 jours. Il ne reste que le match face à Valence. Oh, victoire 2-0 face à Francfort. Ça fait du bien. Et là, du coup, on va jouer face à Valence. Normalement, on est prêt. Voilà, on est prêt. Bon, bien évidemment, on est remplaçant. Ça, c'est un peu chiant. Pourquoi mes entraînements, ils s'enlèvent? D'habitude, ça s'enlève pas. Qu'est-ce qu'ils me font FIFA là? Patate très chaude et scénario offensif. Voilà. Hop, 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 hop. Donc on est titulaire maintenant. Est-ce qu'il va nous mettre titulaire? Ça, j'en sais rien. Devenir ambassadeur, on verra ça plus tard. Tac, tac. La Juventus, il me conseille la Juve. En vrai, ça peut être pas mal la Juve. Hein. Mais bon, je pense les gars, on va finir la saison au Real et puis après... On verra bien ce qui se passe dans la carrière. Allez, let's go face à Valence. Du coup, il nous met titulaire autour de blessure directement.
Faut pas que ça nous retombe dessus, hein. Je vais jouer qu'une mi-temps, les gars. Parce que si jamais élongation, on ressent encore une douleur à la jambe, ça peut... blessure, ça peut s'aggraver. Donc attention quand même à... Hein. Allez, on y va. Et un jeu Valverde. Ouais, j'ai pas penalty. Mais les gars, wesh, il y a un gros contact là, ça s'est vu. En plus, je lui fais la passe. Ah non, il s'est écroulé avant. C'est peut-être pris un coup avant, hein. On sait pas. Ah non, il est seul, hein. Il est seul tout le match. D'un coup, il s'écroule comme ça. Bellingham, wesh. On perd Bellingham. Pour combien de temps en plus on n'en sait rien. Oh là, par contre, l'attaque, je kiffe, hein. Bellingham, voilà, il aurait dû descendre d'un cran. Le mettre par exemple à la place de Modric. Modric à la place de Lewis. Vini ou moi en 10, Rodrigo. Et ouais, le trio d'attaque comme ça, Vini, Rodrigo et moi, ça serait magnifique, les gars. Marquinhos qui allait marquer, hein. Oh là là, Valence, ils ont l'air chaud patate. Allez, les gars, allez, solide, solide. Un jeu prof d'aile. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique. Pied gauche, oh là là, avec un petit rebond, ça aurait été magnifique, hein. Belle parade du gardien. Et moi? Ouais, j'ai coincé tête, les mecs. Let's go. Incroyable, blessure encore de Militao, on comprend pas. C'est l'hécatombe là au Real, mais bon. Le plus important, les gars, c'est ma tête. Wesh. Une tête, j'ai... Paf! Je me suis carrément retourné, je me suis tordu le cou. Guetté, wesh! De l'arrière, barre en 30! Non! Vraiment, Anthony Thomas, meilleur joueur de la Liga, hein, de toute l'histoire de la Liga, je pense, les gars. Les buts que je mets et tout, c'est trop. Je suis plus fort que Messi et Cristiano. Let's go! Toi, tu vas où? Voilà! C'est qui le plus fort? Mais oui, c'est pour Vini, sous le. Valverde, t'aurais pu même la mettre, mais je veux me dé. Oh là là. Oh Rodrigo, la passe qui me fait. Les gars, j'allais enchaîner, mais je sais pas, encore une petite blessure. On va pas prendre de risque, comme je vous ai dit, à la mi-temps, on sort. Voilà, c'est clair, net, précis. Parce que là, ça m'a refait une crampe. Mais bon, là, la passe de Rodrigo entre les deux joueurs. Tac, talonnade. Incroyable, les gars. Incroyable. 2-0, doublé pour ma part. Faudrait que j'aille voir, je suis à combien de buts en Liga là, parce que je suis vraiment exceptionnel. Et les gars, j'espère vraiment avoir le ballon d'or. En vrai de vrai, ça serait magnifique. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, prof d'elle. Belle parade à 4 minutes de la mi-temps pour garder le clean sheet là. Faut remonter dans le classement là. On est deuxième, je crois, peut-être même troisième, j'ai même pas regardé. On a fait plein de défaites pendant que j'étais blessé, dont le classico. Que je ne pardonne pas à mes coéquipiers. Donc faut absolument remonter tout ça. Bien joué les gars. Ok, donc mi-temps ici à Valence. On demande le remplacement tranquillement. Et puis bah les gars, voilà. Hein. Voilà, victoire 3-2. Ils sont revenus à 2-2 quand même. C'est fou. On est nul. On est Real de Madrid, mais on est nul les gars. C'est grave. C'est très grave même. Victoire dans le derby, bah écoute, magnifique. On va se concentrer sur sa propre performance. Voilà, merci pour les 100 000 euros. Les gars, on a 3 millions d'euros. C'est un truc de ouf. Tu as déjà plusieurs derbies, mais cette victoire... non, ok, magnifique. Donc, prochain match face à Bilbao, mais ça sera dans la prochaine vidéo, les gars. Donc, il y aura une vidéo par semaine de cette carrière. Et puis voilà, en espérant que les blessures s'arrêtent au bout d'un moment, parce que là il y a Havertz, 11 jours ça va, et déchirure ischio-jambier 3 mois pour Jude Bellingham, ça par contre c'est très très chaud. Donc nous on ira jouer face à Bilbao, quoique non, on va faire la mi-temps face à Bilbao, comme ça il en restera Francfort, ça, ouais, il en restera ça, ok. Allez, let's go. Dernier match face à Bilbao, c'est parti les gars. Allez, costaud. Si on peut marquer triplé, on marque triplé. Et j'ai pas regardé le classement, puis faut que je regarde après ce match. Oh les gars, Charco. Oh là, par contre, je suis tombé, hein. Je suis tombé comme Bellingham dernier match. Non, les gars, je dois avoir des séquelles. La tête d'homme, je dois avoir des séquelles, c'est pas normal.
Je me relève? Non, même pas. L'arbitre, il s'en fout. Possibilité, la pour centrer. Wow! Mais c'est l'arbitre! Mais c'est une blague! Il veut pas siffler. Monsieur! Ah, l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture Mais du il jeu. arrête vraiment pas le jeu! Mais les gars, c'est lunaire ce qui se passe! Je suis au sol depuis 10 minutes là! Wesh! En plus, ça a l'air grave! Je me tords de douleur, l'arbitre il fait rien! Mais wesh! Monsieur! Quoi, y a Eli Wahi à Bilbao? Wesh, il a mis 15 minutes à arrêter le jeu! 15 minutes! C'est trop une dinguerie, il faut le virer cet arbitre! Faut le virer! En plus, les gars, je vous dirais, c'est la même jambe! Jambe droite, comme quand je me suis blessé tout à l'heure. Non, j'ai des séquelles de la blessure, les gars. J'ai encore des séquelles, immobilier qui y va. À l'heure, c'était une élongation. Peut-être on a repris trop tôt. En plus, le match, 90 jours. C'est 3 mois, 90 jours. On est absent 3 mois, là. Un entraîneur décevant. Mauvais match, rendre visite à un inconnu. Je suis blessé moi-même! Je vais rendre visite à personne! 3 mois de déchirure du mollet. Mais c'était quoi tout à l'heure? C'était élongation du disque jambier, non? Wesh, les gars, 3 mois. Là, ça fait quoi là? Ça va faire que 2 mois. C'est grave, les gars. On perd contre Francfort. Et moi, je vais quitter le Real, les gars. Mercato hivernal. Puis, en plus, on jouait là avec Deschamps. Il me dit pas qu'il m'a rappelé pour les matchs où je suis blessé. À part tout. Est-ce qu'on va être en Ligue? Eh, les gars, si je suis pas en 8e de Ligue des Champions, je quitte le Real. Hein. La vie d'homme, je reste pas au Real de Madrid si on joue pas les 8e de Ligue des Champions. C'est quoi ça? Je suis venu au Real pour remporter tous les trophées. Un partout face à Villarreal, purée. Encore 37 jours. Donc là, tout le mois de janvier, je peux pas jouer. Ok, on est qualifié. On est qualifié pour les huitièmes. On a fini deuxième, mais bon, on tire Galatasaray, donc ça va en vrai. Ouais, bah ouais. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Investissement prêt, j'ai pas envie. J'ai pas envie, mon gars. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Quoique c'est peut-être un investissement qui revient vers moi, non? Ah oui, ok, parfait. Absent 30 jours encore, donc un mois sans jouer, les gars. Donc en gros, on revient normalement pile là, pile poil le match face à Cadiz. Mais si je reviens pile poil là, je joue pas. Moi, je vous le dis direct. Ok, la Super Coupe finale, finale de Super Coupe. On perd 3-2 face à la Pichico, purée. C'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. La coupe, s'il vous plaît, faut aller loin en coupe. Merci. On gagne face à Valence. Oh non, classico. Yes! On élimine le Barça, les gars. On est quasiment. Oula, Séville Atlético. Oh, on est en demi déjà. Mais les gars, let's go. On va gagner la coupe espagnole. Plus la Ligue des Champions. Allez, moi j'y crois. Hein. J'y crois très très fort. Vous êtes. Non, j'ai cru que c'était. C'était homme du mois, mais non, pas du tout. Jude Bellingham, troisième partie. Tac, tac, tac. Investir dans le jeu, ouais. 7 millions d'euros, les gars. Bientôt le yacht. Bientôt le yacht. Tac, tac. Donc lui, il veut que j'aille à la Juve. Ok, donc prochain épisode, on jouera le match de Super Copa. Face à. Enfin, non, de Coupe d'Espagnol plutôt. Je sais pas pourquoi je dis Super Copa. Du coup, j'ai pas eu le ballon d'or en fait. Ah les gamins, les gamins, les gamins. Ok, donc là on remonte juste remplaçant. Ouais, ça c'est chaud aussi, hein, va falloir tout remonter. Mais bon, vaut mieux être remplaçant pour le moment, se remettre sur pied. Et puis après, là, les gars, on revient bien. Porte ouverte dans le vestiaire. Tac, tac, Eli Wahi marque 3 buts à l'adversaire. Il a l'air chaud, hein. Il a l'air chaud et c'est ça que je voulais voir. Tac, classement, la Liga, et on est quatrième.
Avec 11 points de retard sur Séville et 6 sur le Barça, mon Dieu, on est loin. Wow, et normalement, il y a la Coupe du Monde 2026, les gars, à la fin de saison. Donc, on terminera la carrière par une Coupe du Monde 2026. Ça serait complètement fou. Donc là, c'est la fin de cette vidéo, les gars. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!